En quitte. President, please be seated. The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. Yeah, on the here. The international co-prosecutors, you may have the floor. Thank you, Your Honor. I wanted to thank the defense for the ERNs at the end of the session. You'll recall the very last question that counsel for Nuncea asked the witness was a statement read from a document about a plot to destroy the Communist Party in 1977. I think it's important for everyone to understand where that came from. That's document E3. 7696 is a DC CAM interview, but at the moment that he's reading, it's the witness reading from the S21 confession of Mr. the witness, the person we've been talking about, Han Kong. So apparently, I think it's important for the people to understand that this evidence, this best evidence of the plot, is from the S21 killing and torture machine. De la machine à torture et à massacre de S21. Qui, Maître Copé. Council Copé. Juge Lavergne. President, the floor is given to Judge Lavergne. Serait-il possible, Maître Copé, que vous me disiez, si vous saviez qu'il s'agissait de la lecture d'aveu de S21? If these are S21 confessions. As a matter of fact, Judge Lavergne, and also in response to en fait, the remarks of the prosecution, the statement of this witness goes on and on and on, and he confirms on all kinds of aspects what I read out. But I think we will be able to ask this witness tomorrow or maybe now, because it's actually the upcoming witness who gave this testimony. Puisque en fait c'est le témoin qui est appelé à être cité à comparaître et qui a fourni cette déposition. Donc on pourra demander confirmation. Maître Copé, pourriez-vous Council simplement Copé, répondre à ma question? Simply answer my question. I'm asking for a yes or a no answer. That's all. Au courant que were you aware of the fact that this witness was reading the confessions that were obtained at S21? I was not aware. Non. Donc vous lisez un document sans connaître de quoi il s'agit. Knowing what it's about. No, but the thing is, it's a bit confusing as to exactly what he is being cela prête à confusion. Ce qu'on lui présente prête à confusion. However, as I said, in the page, in the following pages, that is from 00384184 and subsequently, he is confirming. Il confirme. President, Mr. Copé, please speak slower because the interpreter need to follow your reading. As I understand, let me rephrase it. As I understand the testimony of this witness, he is confirming a plot to overthrow the CPK, to overthrow the DK government. He might be, but that's a little bit unclear to me, reacting to a confession. But materially, he's saying the same thing. Sur le plan matériel, sa déclaration reste la même. Maître Copé, ce qui n'est peut-être pas clair, c'est la façon dont vous utilisez ces éléments de preuve. I'm not quite sure if I understand your question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Monsieur Copé, je pense qu'il serait tout à fait honnête vis-à-vis de la Chambre lorsque vous utilisez un tel document de clarifier les origines des éléments de preuve en question. What the source is of this evidence. Possibly an S21 confession, but I'm not entirely sure as to the way this DC CAM statement is phrased. So that's why I put it in a greater context, and that's why I'm saying that he is confirming that question, and he's saying basically the same thing. But I'm not quite sure if I misread, possibly, I don't know. Peut-être. Je ne sais pas.
President. Now the chamber gives the floor to the International Defense Council for Mr. Kyu Somporn to put question to the witness. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le témoin, witness, je reprends là où nous sommes arrêtés. I'm going to pick up from vous where avez we stopped. Eu le temps de prendre connaissance de la première page have taken the time to de read the first page la déclaration of, du témoin de TCW. Witness to TCW 817 statement. So please do not speak out his name, but simply confirm to me that you were at K-17 with this person while you were detained during that month. As I told the chamber already, réponse, comme je l'ai déjà dit à la chambre, that I was detained at K-17 at the sectoral office. Au bureau du secteur. So I only repeated what I said donc, in the morning. Je n'ai fait que répéter ce que j'avais dit ce matin. Non, je vous demande simplement de confirmer que vous étiez bien avec la personne dont vous avez lu le nom sur la page qui vous a été présentée. When I was detained, lorsque j'étais détenue, I was that person was also detained with me. Cette personne était également détenue avec moi. Je voudrais vous confronter like à certains confront certaines déclarations de ce témoin witness, et savoir si ça vous rafraîchit la mémoire ou pas. This jogs your memory je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez vu les personnes qui étaient à l'étage, si vous les aviez, si vous aviez su qui elles étaient, vous m'avez répondu non. Avant de voir si les déclarations de ce témoin vous rafraîchissent la mémoire, if the statements of this witness jog your memory, I would like to une partie de votre déclaration devant le personnel de CDCAM, before DCCAM, qui est le document, which is document E3/7823, ERN en français, French ERN 00632716, ERN en anglais, in English, 00 6 5 4 5 4 6 8. Ça commence peut-être un peu à la page précédente, donc 6 7 d'abord en anglais et en khmer 00 2 3 1 4 3 0, et ça se poursuit sur la page suivante. On to the following page. À ce moment-là, le personnel de CDCAM vous pose des questions sur ce lieu qui a 17 about K-17. Et on vous demande vous avez pu savoir qui avait été arrêté et détenu en même temps que vous. Et voilà la question qui vous est posée. Comment se fait-il que vous puissiez savoir qu'il a été arrêté et détenu là-bas? C'est vrai que c'est assez mal fait. Parce qu'il faut revenir en arrière pour savoir de qui on parle, mais clearly organized, vous répondez, so we have to backtrack a little bit on m'en a parlé. Anyways, c'était this. Les gens qui ont procédé à des arrestations. C'était les soldats qui m'en ont parlé. Ils ont dit que telle et telle personne était là. C'était des petits soldats qui ne connaissaient rien à rien. C'est-à-dire qu'ils venaient papoter comme ça. C'était carrément des enfants. Ils venaient bavarder avec moi et parfois ils me donnaient une cigarette. Free translation. La question suivante est celle-là. C'était des enfants dans les environs de Phnom Krol qui venaient bavarder avec vous. So were these kids from around Phnom Krol who would come chit-chat with you? And your answer was the following. En ce qui concerne ces regarding enfants en question, these kids,
Ce n'étaient pas des enfants qui étaient à l'extérieur de la prison. C'étaient les enfants de ceux qui étaient à l'intérieur. La porte était laissée ouverte pour qu'ils puissent sortir faire leurs besoins dans les toilettes. Ils savaient bien que c'était tel ou tel gens. Les enfants, ils les connaissaient. Ensuite, la question qui vous est posée est la suivante. Ceux qui vous en ont parlé, ce n'étaient pas les enfants des soldats qui ont procédé aux arrestations, n'est-ce pas? Et vous répondez, c'étaient les enfants des prisonniers, c'étaient les enfants de cette taille-là, ils connaissaient le nom de tel oncle cadet, le nom de tel oncle aîné, ils disaient qu'ils venaient de rencontrer tel ou tel homme. Fin de citation. End of quote, free translation. Donc, après lecture de votre déclaration devant le personnel de CDCAM, est-ce que vous vous souvenez que vous avez pu avoir des informations sur des gens que vous n'aviez pas vus, mais dont vous avez su la présence à cet endroit-là, parce que les enfants qui pouvaient sortir du bâtiment vous disaient que tel oncle était là ou que tel autre oncle était là? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? As I said in the morning, comme je l'ai dit ce matin, my memory does not serve me well. Ma mémoire me joue des tours. I'm not sure whether I did really say that during the interview. Et je ne suis pas sûr d'avoir, je ne suis pas certain d'avoir dit and cela pendant l'entretien. Moi-même, is not much interested in the trial. Je ne m'intéresse pas beaucoup au procès. Je voudrais donc voir si j'arrive à rafraîchir votre mémoire autrement avec les déclarations donc de la personne dont vous avez confirmé qu'elle était avec vous pendant ce mois de détention. Et c'est le document E3/7695, ERN en français 00274-874-816. ERN en Khmer, Khmer 00236716. Et ERN en anglais 00239-486. Et ça se poursuit sur la page suivante. And until 487. On a posé des questions sur questions were put qui était about comment s'était déroulée l'arrestation de cette personne qui a été interrogée. Et il évoque la description du bureau K-17. Il dit ceci, le bureau K-17 était celui de Laine et était constitué de deux étages. Le rez-de-chaussée était en béton. Le premier étage avait le plancher en bois, Had a wooden floor, le mur en bois et le toit recouvert de zinc. Fin de citation. Est-ce que cette description correspond à vos souvenirs du lieu? To what you remember of that place? The detention building, le bâtiment de détention, was made from concrete, était fait not en béton, wooden, pas en bois. But for the upper floor, mais I did not know because I did not have the opportunity to go up and observe it. Il dit également he un petit peu plus loin, a little bit later, je cite, and I quote, quant aux gens détenus à l'étage, d'après leurs discussions entre eux que j'entendais, ils étaient environ 4 ou 5 personnes, dont Son Tan, Ta, Kem Chan, Ra, le secrétaire adjoint du district who was de deputy, Konek. Fin de citation. District secretary. End of quote. Donc, de sa déclaration,
Ce témoin explique que lui, il pouvait entendre les conversations se dérouler à l'étage au-dessus. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que les noms que je viens de vous citer vous rappellent quelque chose? Est-ce que dans le cadre des discussions que vous avez eues avec les enfants ou avec cette personne-là, vous vous souvenez que les 4 ou 5 personnes citées par le témoin ont séjourné à K-17? À cette époque, I could not remember who talked about what. Je ne me souviens pas de qui parlait de quoi. But there were just children who play outside the building. Il y avait des enfants qui jouaient à l'extérieur du bâtiment. But I could not recall their exact names. Cependant, je ne me souviens pas de leur nom exactement. Mais les noms de Son Tan, but the names Son Tan, Ta, Kem Chan, Kem Chan et Ra, le secrétaire adjoint du district de Konyak, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? District secretary of Konyak, do these names remind you of anything? Regarding those names, I knew them, but I do not know whether they were detained in the upper floor or somewhere else. Un autre point, et ce sera le dernier point de mon interrogatoire, est le nombre de personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée où vous étiez de K-17. Vous avez évoqué un nombre de 80 personnes, et ce témoin, lui, indique toujours, même document, même URN, il y avait environ 40 prisonniers au rez-de-chaussée. Donc, dans les souvenirs de ce témoin, il y avait 40 prisonniers et non pas 80, comme vous l'avez indiqué. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre de 80? When I witnessed the people who were tied up in line, I counted in my mind and there were 80 of them, including males and females. J'insiste sur ce point parce que toujours, lorsque vous répondez aux questions du personnel de CDCAM, document E-3, ERN en français 00632715, ERN en anglais 00645467, ERN en Khmer 00231430. La question qui vous est posée est la suivante. Parlons maintenant de la cellule en bas où vous étiez selon votre estimation. Combien de personnes en tout pouvaient être enfermées là-dedans? Et votre réponse est la suivante. En bas, dans la cellule au rez-de-chaussée, il y avait plus de 50 personnes. Fin de citation. End of quote, free translation. Donc, dans vos déclarations aux membres de CDCAM, vous semblez parler plus de 50 personnes que de 80 personnes. Of a figure of 50, là encore, est-ce que of 80. Ces déclarations vous rafraîchissent la mémoire? Somehow, jog your memory. I cannot remember it well when you talk about that. Je ne me souviens pas très bien lorsque vous en parlez. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Monsieur le Président, I'm done with my cross-examination and my colleague Kung Samon has no questions to put to the witness. Bah,
President. Thank you, Mr. Chan Tui. The hearing of your testimony as a witness has now come to an end. Your testimony may contribute to the ascertaining of the truth. Your presence in this courtroom is no longer required, and you may be excused. The chamber wishes you all the best. Court officer, in collaboration with WISU, please make necessary transport arrangements to send Mr. Chan Tu to his home or wherever he wishes to go. And the hearing today come to a conclusion because the reserve witness could not make his way to the chamber on time. So the chamber would like to announce the adjournment of the hearing today, and we resume tomorrow at 9 o'clock. And tomorrow we will hear the testimony of 2TCW 817 related to Phnom Krau Security Center. Please be informed. Security personnel are instructed to bring Khieu Somphorn and Nuon Chia back to the detention facility and have them returned to the courtroom tomorrow morning before 9 a.m. The court is now adjourned.